L'influenceur BTP, les conseils des pros pour optimiser votre visibilité et votre communication sur Bâti Radio. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'influenceur BTP. Dans ce numéro, nous allons vous révéler quel matériel, quel logiciel utiliser pour faire des publications qui feront des dizaines ou des centaines de milliers de vues dans l'amélioration de l'habitat, dans le BTP. Comme toujours, aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Victoria de VK Passion Déco qui nous fait des vidéos absolument époustouflantes, grosse communauté sur Instagram et sur TikTok. Elle va vous révéler tous ses secrets. C'est toujours moi-même, Jean-Bernard, cofondateur d'Eldo, la start-up qui aide les fabricants et les artisans du BTP à digitaliser leur gestion commerciale et leur communication. Et je suis très heureux de des retours que vous nous faites par rapport à cette émission qui ne cesse d'attirer de plus en plus de monde. Pensez à vous abonner et dites-nous en commentaire quels sont les différents sujets, les questions que vous posez pour pouvoir utiliser les réseaux sociaux comme tous ces hommes et ces femmes qui font des dizaines de milliers de vues dans le secteur du BTP ou de l'amélioration de l'habitat. Parce qu'aujourd'hui, notre invité n'est pas purement parlé une artisan du BTP, on est dans le secteur de la déco. Et c'est sans plus attendre que je lui donne la parole pour qu'elle se présente. Comment ça va, Victoria ? Ça va, merci. Alors moi, c'est Victoria, j'ai 33 ans, je suis mariée, j'ai deux enfants, j'habite en Normandie, en France. Mmh. Voilà. Et donc du coup, quel est ton métier ou que fais-tu dans l'amélioration de l'habitat ? Parce que toi, tu as plusieurs vies, tu as trois vies, quatre vies même. Alors, mon métier principal, c'est je suis aide-soignante de nuit. Je travaille pour l'hôpital dans ma région. En parallèle, j'ai récemment ouvert mon entreprise de décoration d'intérieur. Bravo. Merci. Et voilà, et j'aimerais que ça devienne, comme c'est une passion, j'aimerais que ça devienne mon métier principal par la suite. Oui, et puis tu as de plus en plus d'activités et de business sur ce segment-là, grâce à ta réussite sur les réseaux. C'est ça. Donc voilà. Et comment tu as démarré ? Comment tu es arrivé dans l'amélioration de l'habitat ? Tu as démarré petite ? C'était dans la famille ? Tu as vu des vidéos ? Comment c'est venu ? À la base, le bricolage, la déco, c'est toujours été une passion. J'ai mon père qui est grand bricoleur, qui a construit sa maison, etc. Ma mère qui adore la déco. Donc du coup, tout est venu de là, une évidence, quoi. Ouais. Et tout a vraiment commencé pour moi, c'était en 2017. Mon mari et moi-même, on avait acheté une maison très ancienne qu'il fallait rénover, tout refaire nous-mêmes. En fait, par manque de moyens, voilà, on achète une maison et une fois les meubles posés, on n'a plus d'argent, tout simplement. Tous les deux ont travaillé, voilà, fallait se débrouiller comme on peut. Mon mari n'est pas bricoleur, j'ai mis les mains à la pâte. Voilà, il y en a, ça existe, c'est pas une critique, c'est pas grave. Ouais. Donc du coup, comme j'adore ça, j'ai testé un truc, escalier, salle de bain, enfin bref, petit à petit. On avait tout refait, puis après la vie a fait que on s'est lancé dans l'immobilier, dans le business, dans l'immobilier tout simplement. Et donc du coup, il fallait rénover, acheter, vendre, louer. En fin de compte, il y avait beaucoup de biens immobiliers qu'il fallait que je décore moi-même. Mmh. Et du coup, voilà, j'ai dû passer une formation de décoratrice d'intérieur en 2019. Génial. Et je continue, quoi. Génial. Mais bravo, en tout cas c'est magnifique ce que tu fais, moi je te suis, je trouve ça vraiment très très beau et toutes les personnes que je connais trouvent ça magnifique aussi. Merci. Et comment tu as démarré alors sur les réseaux à faire des vidéos et du coup où est-ce qu'on peut te trouver aujourd'hui ? Alors, on peut me trouver sur je suis un peu partout, jusqu'à Pinterest, jusqu'à YouTube, voilà. Et puis, sous le nom de VK, Passion Déco. VK, parce qu'en fait, V et K, je sais pas. C'est venu comme ça, j'adore ça. C'est VK, parce qu'en fait, en ma langue maternelle, Victoria, ça s'écrit avec le K. Ok.
Et du coup, c'est venu de là, et passion déco, parce que je suis passionnée de décoration. Le bricolage, ça reste une passion aussi, mais je ne suis pas pro dans ce que je fais. Donc, je touche à tout, mais ce n'est pas pro. Je ne vais pas venir te donner un conseil sur quelque chose. Je fais parce que je teste, j'apprends moi-même sur YouTube, etc. Et c'était en fait il y a quelques années, il y a peut-être 2 ans de ça. Comme je bricolais tous les jours chez moi, en bas, dans la cave, enfin bref, partout. Et mon mari, il a dit, t'as vraiment du talent, il faut que tu postes. En fait, c'était mon mari, en quelque sorte, qui m'a poussé à poster des vidéos. Mais à l'époque, on connaissait que YouTube. Et il a dit, vas-y, poste et tout. Ça me prenait énormément de temps, même si il n'arrêtait pas de me dire, vas-y, poste, t'inquiète pas. Un jour, ça va te donner quelque chose. Il est sur les réseaux aussi, mon mari. Bravo. Et du coup, tout a commencé comme ça. Et puis après, j'ai arrêté YouTube, tout ça. Et un jour, j'ai commencé TikTok il y a à peu près 1 an et demi. Et voilà, c'était surtout sur TikTok, Instagram, que tout a commencé pour moi. Ok. Voilà. Aujourd'hui, beaucoup, beaucoup d'abonnés. Je crois quasiment 300 000 abonnés sur TikTok. Sur TikTok, presque 300. Voilà, sur Insta, 20 presque. 20 000. Et du coup, qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui, cette visibilité? Parce que du coup, tu as des centaines de milliers de personnes qui voient tes publications, qui te suivent, qui te likent. Ça m'apporte. Qu'est-ce que, sur tous les plans, sur le plan personnel, sur le plan professionnel, qu'est-ce que ça t'apporte de faire ces vidéos et d'avoir cette visibilité? Voilà, ça m'apporte des partenariats avec des marques. Ah voilà. Ça m'apporte des retours des personnes qui me suivent, des beaux retours. Franchement, il y a des fois, je pleure devant les commentaires tellement c'est beau. Je me dis, mais comment que ça peut arriver? Moi, Victoria, j'ai des commentaires comme ça. Pour de vrai, j'ai aussi, grâce à ça, créé mon entreprise au jour d'aujourd'hui. C'est récent, mais j'ai pu aussi. Et voilà, j'ai des retours des gens qui veulent peut-être que je décore l'or chez eux et que c'est énorme déjà pour moi. Mais oui, c'est voilà. Partie d'une passion et pouvoir en vivre, créer son entreprise et en plus avoir de la reconnaissance pour son travail. Ouais. Vraiment bravo et je trouve que c'est le très très beau côté des réseaux sociaux. Quel conseil tu pourrais donner du coup aux gens qui voudraient se lancer ou qui font un petit peu des vidéos, du contenu sur les réseaux sociaux, quels qu'ils soient, LinkedIn, Facebook, Insta, TikTok, YouTube, Pinterest, Snapchat, je sais oui, plus. Partout. Véga Passion Déco. C'est Véga Passion Déco pour t'en trouver. Au moins, tu as le même nom partout. Et sur le site internet aussi, comme j'ai un site internet aussi. C'était quoi la question? C'était est-ce qu'il y a un ou deux conseils ouais, avant qu'on rentre dans la question du jour sur comment on fait pour faire des vidéos comme tu fais, quel matériel, tout ça. Est-ce qu'il y a des conseils un peu généralistes que tu pourrais donner? Je dirais, comme tout à l'heure, restez vous-même, surtout. Ça, c'est la première chose à faire. Si vous postez quelque chose, soyez passionné de ce que vous faites parce que ça ne va pas durer dans le temps. De toute façon, ça ne va pas durer dans tous les cas parce qu'il y a des fois des commentaires, il y a des fois des... Voilà, les réseaux, c'est beaucoup. Si on n'est pas passionné ne regardez pas autour. En fait, quand on est passionné, on ne fait pas attention à ce que disent tel, les familles aussi, des fois, parce que ce n'est pas mieux, des fois. Et faites pas attention à ce qu'on vous dit autour, parce que vous êtes passionné, foncez. En fait, quand on est passionné, on ne voit rien autour. En fait, restez vous-même, ayez passionné de ce que vous faites et tout va bien se passer. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment un trait de caractère que tous ceux qui réussissent ont. C'est peu importe ce que les autres nous disent, il faut s'écouter et se faire confiance. C'est ça.
Bon, super. Alors, Victoria, la question du jour, c'est comment tu fais pour faire des vidéos comme ça qui cartonnent ? Quel matériel tu utilises ? Quel logiciel tu utilises ? Comment tu te filmes ? Est-ce que tu as un téléphone ? Est-ce que tu as une GoPro ? Est-ce que tu as des logiciels de montage ? Est-ce que c'est des logiciels sur ton téléphone ? Les éclairages, tout ça. On se pose tous plein de questions. Voilà. Comment elle fait des vidéos aussi exceptionnelles ? Quels sont les conseils que tu peux nous donner du coup pour arriver d'un point de vue logistique à faire des vidéos comme les tiennes? Alors moi c'est tout simple. Je fais. On adore quand c'est simple. C'est le but de l'émission. Pratico-pratique. Hein. Simple. J'ai mon téléphone, un iPhone, tout simplement. iPhone. J'ai une caméra mais je l'utilise jamais, ça sert à rien. D'accord. La simplicité c'est ce que les gens adorent. Ok. Voilà, je mets mon téléphone, t'as un je trépied, me filme en rapide. T'as un petit trépied, t'as quelque chose pour poser? Bah non, même pas. Non. Oui, je le pose sur des meubles, il y a bien quelque chose. L'autre jour j'ai posé une vidéo, j'étais sur les chaises mais le téléphone était sur l'escalier. Bon, il tombe pas des fois. Tout simplement, s'il tombe, bah voilà, tu coupes. Hein. On se débrouille comme on peut, voilà, avec les moyens qu'on a. C'est quoi comme iPhone simplement. C'est un iPhone récent c'est... Oh, oui, un iPhone 10, quoi. Ouais. XS, XR, je ne sais plus. Je sais c'est pas. Même pas. Voilà, okay. Après, ce n'est pas important, en fait. Ce qui est important, c'est qu'au début de ta vidéo, en fait, il faut savoir que les vidéos, des fois, mets-toi à la place de la personne qui est en face, qui est là, qui fait défiler, voilà, qui voilà. Swipe. Et bim, il s'arrête. Et pourquoi il va s'arrêter sur la tienne, en fait, c'est ça. C'est ce que Kelly disait aussi. Voilà. Donc pourquoi le il début, va s'arrêter. Voilà, le début. Si tu captes l'attention et que tu vas le faire, la personne, elle va rester, c'est que c'est bon, c'est la bonne. En fait, c'est ça. Qu'est-ce en fait, qu'il faut alors ? Qu'est-ce qu'il faut, alors, Victoria, au début ? Alors, soit il faut... Des fois, c'est la voix. Des fois, c'est la musique. Mais toi, t'aimes pas trop la voix. Ouais, c'est pas mon truc, mais bon, je m'y mets des fois. Enfin, ouais. je commence par. Enfin, nombreuses personnes me disent vas-y, parle, on veut des tutos. Mon mari, comme d'habitude, il est là, vas-y, pousse, parle. Il est bien, ton mari. Il oui, est bien, il est bien. Il est motivant. Bon. C'est bien. Il veut ma réussite, quoi. Il sait que je suis passionnée, donc du coup, bah, il veut que je réussisse dedans, quoi. Mmh. Et voilà. Une fois que tu as. En fait, c'est ça. Donc, il faut capter l'attention. Comment au je début. Fais c'est le début. En fait, il faut que tu commences par un truc, soit une histoire, soit je sais pas, ta création et elle peut commencer, enfin moi je parle de moi, ma création elle peut commencer du milieu en fait, pas du début, comment oui. J'étais partie au magasin acheter, des fois c'est le magasin qui attire, le prix qui attire, en fait c'est ça, capte l'attention et fais rester la personne jusqu'au bout de ta vidéo, ne pas poster aussi des vidéos plus d'une minute. C'est rare que la personne une minute, ait... ça suffit. Ouais, c'est ça, même c'est beaucoup. C'est l'école TikTok, ça. C'est trop, même. Poste les vidéos d'une minute sur YouTube, t'as du choix. Hein. Mm-hmm. YouTube, Instagram, ils adorent ça. Hein. Parce que là, l'émission, on va être à 25-30 minutes. Oui, voilà. Il faut vraiment que... Non, voilà, c'est ça. Et TikTok, c'est ça. Instagram, tu peux poster plus long. Ou photo, Instagram, c'est beaucoup ça. YouTube, bah, là, lâche-toi. Sur des heures et des heures, si tu veux. En fait, c'est ça. Ne choisis pas TikTok pour faire des vidéos plus longues. Ou... Moi, ça, j'ai pas compris ça depuis le début. Hein. Ouais, c'est à force de poster, à force de comprendre, etc. Voilà, après, on sait qu'est-ce qui attire, qu'est-ce qui fait rester. D'abord, qu'est-ce qui fait rester nos abonnés à nous. Mmh. Et après, ça va dans les pour-toi. Okay. Sur TikTok. Hein. Sur TikTok, voilà. Ouais, tout à fait. Mais tout le monde rêve d'avoir 300 000... Et quel logiciel ? Moi, je fais mes montages, tout dépend. Si c'est pour une marque, je fais sur Quick. Je ne sais pas si ça... Non, non, je ne connais pas. C'est payant, c'est gratuit ? Non, c'est gratuit, totalement. Tu peux faire payant aussi, quand tu veux plus. Bah, moi, tout a commencé sur Quick. Hein. J'ai fait mes montages sur Quick. Comment tu l'écris ? Q-U-I... Et C et K. C'est K. Je crois quick, que c'est ça. Rapide. Voilà, c'est ça. Et tu télécharges l'application, tu fais tes montages, mais c'est tu pas ça. Tu fais tes montages sur téléphone ou sur PC ou sur le Mac. Téléphone. Sur le téléphone. Tout se passe dans le téléphone. Tu fais tout je dans le téléphone. Je vais pas plus loin. Waouh. Et après, ça, c'est montage pour YouTube. Attention, parce qu'après, il y a montage les vidéos virales pour Instagram et TikTok, et ben c'est TikTok.
L'algorithme n'aime pas quand tu postes une vidéo déjà montée. Ah, il faut que tu la montes dans leur outil de... Voilà, chacun son outil. Et le timelapse, si tu veux faire un chantier accéléré. Et voilà, TikTok, tu choisis, tu coupes tout comme tu peux. Tu captes l'attention, enfin, tu fais comme tu peux. Tu fais 15 secondes, c'est suffisant pour TikTok. 30, allez. Si c'est vraiment max. Comme les contenus comme moi, des créations, des DIY, des bricolages. Je peux pas, des fois, expliquer tout en 15 secondes. Donc, tu fais 30, mais grand maximum, quoi. Wow. Des fois, une minute, mais voilà, faut le faire, quoi. Quand tu débutes, cours. Le plus court possible. Ouais. Okay. Insta, voilà, etc. Insta, il y a viral pour faire... C'est quoi viral? Viral, c'est les vidéos virales. Viral, c'est un quand logiciel pour monter sur Insta? Comment ça se passe? Instagram, tu as les vidéos. Publication. Publication. Ouais. Et tu choisis viral. Ouais. Et tu fais le montage dedans. 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 Et YouTube, bah, c'est le seul où j'utilise Quick pour... et comment on s'appelle aussi des autres aussi. Ok. En fait. Et pour les marques aussi, du coup. Ok. Voilà. Et au niveau son, tu utilises des micros quand tu fais ta voix, si tu fais une voix off par-dessus? Oui, voilà, pareil. TikTok, je fais micro. Non, même pas. TikTok, j'ai monté la vidéo et à la fin, tu as le micro et j'enregistre. Tu enregistres sur le téléphone, voilà. Directement. Et voilà, tout se passe dedans. Chaque réseau a son truc, en fait. Faut s'adapter. Voilà, faut utiliser le logiciel de montage. En fait, il n'y a pas besoin de s'embêter. Il faut utiliser le logiciel de montage de l'application. C'est ça. Ok, et comment tu as appris à faire les montages? Moi, j'ai essayé un peu, c'est galère. Au début... C'est à force, en fait. À force de faire... T'as suivi des tutos sur YouTube? Mais j'ai fait la formation Pardon. Ouais. J'ai fait la formation de vidéaste et photographe aussi grâce au CPF que j'ai accumulé par les années de travail que j'ai fait en France, en privé. Ouais. Et du coup, ben, j'ai pu accumuler des heures et grâce à CPF, j'ai fait la formation de photographe et vidéaste. Et grâce à ça, bon, je ne suis pas vidéaste ni photographe, mais au moins, j'ai appris à faire quelque chose avec ça. Quoi. Ouais, ça te sert pour faire les vidéos? Ça me sert, ouais. J'ai appris pas mal de techniques. Ouais, que si tu avais une ou deux techniques à partager, mais laquelle tu partagerais? Sans ça, on peut se débrouiller très bien. Ouais. Faut juste aimer. Ouais. C'est ça. Comme tout, quoi. Tout voilà. À fait. Ok, super. Quel autre conseil tu pourrais donner vraiment sur cette partie technique pour faire des vidéos, des publications qui cartonnent? Eh ben, intéresser les autres, en fait. Se mettre à la place des gens qui nous regardent. Pas hésiter à leur demander même ou de voir dans les commentaires qu'est-ce qu'ils aimeraient pour savoir ou parler à ses clients ou... Bah, pas forcément, parce qu'en fait, tout le monde a son avis, tout le monde a des choses à faire. En fait, c'est ça. Tout dépend. Est-ce que ton but est de réussir ton métier ou ton but, c'est de faire juste les vues, être influenceuse par la suite? En fait, tout dépend de ton but. Si tu veux des visites sur ton site internet et réussir dedans, ça, c'est encore autre chose. Des vues, tu n'en as pas besoin. En fait, il faut juste les clients fidèles. Ouais. Et si tu veux juste des vues sur TikTok, bah, poste un truc... à l'arrache et tout va bien se passer. Rigolo. Ou... Voilà, à l'arrache. En fait, c'est ça. C'est le naturel qui intéresse les gens, en fait. C'est ça. Sur TikTok, par exemple. Super. Voilà. Merci beaucoup, Victoria. Mais il n'y a plus qu'à, j'ai envie de dire, en fait. Hein. Tu nous as donné toutes les clés. Quels sont les autres influenceurs ou créateurs de contenu dans le DIY, dans le BTP ou dans d'autres secteurs, et même rien à voir, que tu suis, qui t'inspire, qui te pousse à te dépasser, ou que tu aimerais bien qu'on invite dans l'émission parce qu'ils ont des choses intéressantes à partager? Donc c'était Stéphanaria. Oui, j'aurais dit sans hésitation Stéphanaria. Voilà, mais comme il est déjà passé, voilà, moi j'aurais conseillé mon ami Pierre. Ils sont sous le nom de Trois Housses. Je ne sais pas si tu vois. Non, je ne connais pas. C'est deux jeunes hommes qui ont acheté trois maisons très anciennes et qui rénovent ça, mais alors aux petits oignons.
franchement, ils sont très très forts. Anna a son ami électricien et les deux, ils font du bon boulot, ils rénovent ça. Je te conseille de les contacter. 3 Ous. Ok. Voilà. Bah, sur tous les réseaux aussi, Instagram, TikTok. Instagram, TikTok, ok. Bah, je veux bien, si tu as leurs coordonnées, ça m'intéresse. Il y a ES, est-ce qu'il y en a d'autres que tu suis ou que tu peux recommander pour les gens qui nous regardent, qui nous écoutent? Non, pas forcément. Voilà, j'étais partie dessus. Non, ça va. Je m'arrête là. Ok, ça va. Au niveau des marques, avec quelle marque tu travailles du coup aujourd'hui? Avec quelle marque je travaille? J'ai travaillé avec pas mal de marques. J'ai déjà eu des collaborations avec la marque Bobo Chic, Conforama, Carrefour pour le côté bricolage. Après, il y en avait d'autres, mais je passe. Voilà, quelques-uns. Ok, super. Et alors toi, quelles sont tes ambitions? Ça serait plutôt de développer ton entreprise, son activité, ou vivre justement de la partie création de contenu? Tu disais qu'il y avait les deux. Qu'est-ce que tu recherches, toi? Quelle est ton ambition? Mon entreprise. Je viens de l'ouvrir. J'aimerais bien que ça marche, ça fonctionne. Et ça commence déjà à fonctionner. Bravo, j'ai pas mal de retours. Je vais me déplacer chez les personnes. Un jour, ça va peut-être donner du gros, je ne sais pas. Mais toujours dedans. La décoration d'intérieur, la rénovation, en fait, c'est ça qui me passionne. En fait. Voilà. Ben moi, je suis convaincu qu'il y a énormément de choses à faire sur ce secteur, que c'est un secteur d'avenir. On a de gros challenges au niveau environnemental. Faire des maisons plus vertes, moins énergivores, moins grandes et aussi plus confortables pour vivre avec ses proches, pour rester à domicile plus longtemps aussi. Donc, il y a plein de challenges autour de la maison. Voilà, donc c'est le but de l'émission, mettre en avant tous ceux comme toi, qu'il faut avancer les choses. Donc, merci beaucoup d'être venu. On finit en général avec une phrase qui t'inspire et qui te guide au quotidien, que tu pourrais partager à ceux qui nous écoutent. Quelle serait cette phrase qui te tient à cœur? La phrase qui m'a toujours inspirée depuis que, mes 18 ans que je suis partie en France. La phrase là, vraiment, je ne la connais pas par cœur, mais je vais essayer. Quand ton réveil sonne le matin, soit tu te réveilles pour réaliser tes rêves, soit tu te recouches pour les poursuivre. Voilà. Pour poursuivre tes rêves. Pour que. Si t'es motivé, tu bouges tes fesses, tout va bien se passer pour toi. Réveille-toi quand le réveil sonne, quoi. Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt, on peut aussi dire. C'est ça. Et qui sont au taquet, motivés. Oui, parce que toi, tu nous l'as dit, c'est 3-4 métiers. En même temps. Aide-soignante, décoratrice d'intérieur, créatrice de contenu, immobilier, maman. Maman, c'est un métier aussi, attention. Deux enfants. Mariée, tout ça, c'est un métier. Et motivez-vous. On peut tout faire. Des fois, quand j'entends les gens dire... le temps, il est long, il passe pas le temps. Je dis, mais donnez-moi-le, le temps. Des fois, je ne sais pas comment faire pour tout faire en 24 heures, quoi. Et dormir en même temps. Donnez-moi votre temps, je ne sais pas où vous le trouvez. Je voudrais rallonger mes heures, s'il vous plaît. Oui, voilà. Donnez-moi 12 heures. Allez, je troque 12 heures. Je suis preneuse du temps. Mais écoute, si tu trouves Victoria, je suis preneur aussi. Pour ne pas avoir à trop prendre sur mon sommeil. Voilà. Ou ne pas trop prendre sur la famille. Parce que Nicolas, dans l'épisode précédent, disait qu'il ne fallait pas oublier aussi la famille, que c'était important d'être passionné, mais que le temps passe vite et que... rien ne vaut l'amour de ses proches. Exactement. Voilà. Écoute, Victoria, c'était un plaisir de t'avoir. Tu étais un peu stressée non, au ça début. Va. Tu m'as détendue. C'était vraiment génial. Un petit verre d'eau et c'est bon. C'est reparti. écoute, au plaisir de te revoir sur une prochaine émission ou alors à Batimat, parce que du 3 au 6 octobre, on sera tous à Batimat, tous ceux qui passent dans cette émission, grand salon qui va réunir cette année pour la première fois
un maximum d'influenceurs du BTP qui vont être là pour être à votre rencontre. Donc, venez à Batimat, venez nous voir et puis pensez à vous abonner à l'influenceur BTP. Dites-nous ce que vous aimez, dites-nous ce que vous n'aimez pas et ce que vous aimeriez voir la prochaine fois. Et merci pour votre écoute, pour votre soutien, pour vos commentaires. Et écoute, merci Victoria. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao. Bye bye. L'influenceur BTP, une émission à réécouter et télécharger sur le site de Bâti Radio.